Dans les grottes de l'île de Lemnos, vit le dieu des forgerons, Héphaïstos. Il est le fils de Zeus et de la divine Héra. Époux d'Aphrodite, Héphaïstos est aussi laid que la déesse de l'amour est belle. Boiteux depuis que sa mère, découvrant son visage, l'a précipité du haut de l'Olympe en espérant s'en débarrasser. C'est lui, et lui seul, qui connaît le secret des armes indestructibles des dieux de l'Olympe. Mais cette nuit, il va forger des armes pour un mortel, pour Achille, l'inconsolable guerrier grec, empli de fureur. Dans le feu, Héphaïstos jette l'airain, le bronze, l'or et l'argent. Toute la nuit, sans relâche, il travaille les précieux métaux. De sa forge, il a déjà tiré une épée dont la lame est plus tranchante que l'épée d'Arès, le dieu de la guerre. Et une lance plus légère, plus précise que toutes celles des meilleurs guerriers de la terre. Des jambières aux attaches solides. Un casque robuste, une armure étincelante. À présent, il pose sa grande enclume sur son socle, prend son marteau, sa pince et entreprend de fabriquer un bouclier. Un bouclier qu'aucun trait ne pourra percer. Il sera fait de 5 épaisseurs. Sur la dernière, Héphaïstos apposera sa signature. Comme tous les dieux de l'Olympe, il a suivi les rebondissements de la guerre de Troie. Il est bien l'un des seuls à n'avoir pas soutenu un camp plutôt que l'autre. Il déplore cette lutte fratricide entre mortels qui vient déranger l'ordre des choses. Aussi, sur le bouclier invincible, il gravera ce qui ne peut être détruit, comme un rappel de ce qui préside aux destinées humaines. La terre, le ciel, l'infatigable soleil et la lune dans sa plénitude. Mais aussi les constellations dont l'Olympe se couronne. Puis il ajoutera à son œuvre une ville en paix. Et une ville en guerre. Mais aussi des bergers, des pâturages, des vignobles, des hommes et des femmes. Enfin, à l'extrême bord du bouclier, il placera le fleuve Océan. En vérité, ce n'est pas seulement un bouclier que forge le dieu boiteux. C'est l'univers tout entier.
Lorsqu'il termine son travail, les premiers rayons de l'aube éclairent le camp des Grecs et leurs navires. Héphaïstos apparaît sur le rivage. Thétis est déjà là, qui l'attend. Thétis, la mère d'Achille, est aussi celle qui éleva Héphaïstos lorsque sa propre mère, Héra, le défenestra. Pendant des années, la nymphe Thétis cacha Héphaïstos dans sa grotte. Et c'est elle qui lui enseigna l'art de façonner les bijoux. L'élève a depuis dépassé le maître. Il ne peut rien refuser à Thétis. Et voilà qu'aujourd'hui, il lui offre les plus belles armes qu'il ait jamais fabriquées. Les armes d'Achille, fils de Pélée et de Thétis. Thétis prend les armes des mains du dieu, puis elle les dépose près de son fils. Elle le trouve couché sur la dépouille de Patrocle, toujours en pleurs. Mais à peine Achille aperçoit-il le bouclier, l'épée et l'armure que son regard s'illumine. Il se lève, enfile sa nouvelle cuirasse, saisit l'épée et la lance nouvellement forgées, ajuste le bouclier aux ciselures magnifiques. Puis, il se recueille une dernière fois sur le corps de son ami. On l'entend qui prononce un serment à voix basse. Il ne lui fera pas de funérailles, pas avant d'avoir rapporté la tête de son meurtrier. La tête d'Hector, prince de Troie. Thétis s'approche à son tour. Dans les narines de Patrocle, elle verse un nectar rouge, puis l'ambroisie que seules boivent les divinités afin que la chair demeure incorruptible. Achille étreint sa mère longuement. Thétis le sait. Son fils lui fait ses adieux. En lui offrant ses armes, la mère envoie son fils à la mort. Et aucun dieu, pas même Zeus, ne pourra s'opposer au destin funeste qui l'attend. Au moins gagnera-t-il le royaume d'Hadès, avec les plus belles parures du monde et après avoir semé l'effroi dans les rangs de ses ennemis. Lorsqu'ils aperçoivent leur chef, les Myrmidons se figent, à la fois émerveillés et craintifs. Le regard du fils de Thétis est empli d'une colère que nul n'a jamais vue à ce jour. Achille longe la rive en poussant des cris enragés. Tous les guerriers accourent, même ceux dont le devoir est de surveiller les nefs. On voit Ulysse et le vieux Nestor et le roi des rois, Agamemnon. Ils ont compris que l'heure de la réconciliation a sonné. La colère d'Achille sera la vengeance des Grecs. Elle annonce la fin de Troie et l'extermination des Troyens. Alors Agamemnon, dans un geste étonnamment humble, parle à Achille. Il reconnaît s'être fourvoyé. Il a eu tort d'enlever au fils de Thétis sa part d'honneur. Il a eu tort de l'humilier. Il promet
que dès que la guerre aura pris fin, il le couvrira d'or et d'argent et lui offrira plus de terres qu'il n'en a jamais souhaité. Pour l'heure, Agamemnon libère Briséis. Il la lui rend et le prie d'accepter ses excuses. Mais c'est à peine si Achille l'écoute. On se demande même s'il le voit. Au même instant, Hector s'apprête à rassembler ses hommes et à les mener au combat. La mort de Patrocle a ébranlé les Grecs, et Hector s'est emparé des armes du jeune homme comme d'un trophée. Il veut y voir le signe que la victoire est pour Troie. Il faut pousser l'avantage, attaquer sans répit. Une femme s'élance vers lui. C'est Andromaque, son épouse. Une nourrice l'accompagne, qui porte leur jeune fils, Astyanax. Andromaque ne laisse pas à Hector le temps de lui redire à quel point il se sent invincible depuis qu'Apollon l'a soustrait au royaume des morts. Elle le supplie de ne pas combattre aujourd'hui. Son courage l'aveugle, il le perdra. Un sombre pressentiment la tenaille. On dit qu'Achille est de retour sur le champ de bataille et qu'il entend venger la mort de Patrocle, tuer Hector. La mort est sur sa tête. Qu'il reste, qu'il renonce aux armes. Qu'il ne rende pas son fils orphelin, ni veuve sa femme. Hector sourit, regarde son fils en silence. Il comprend les tourments de son épouse. Tout bas, Hector demande à Zeus et au dieu protecteur de Troie de veiller sur son fils. Qu'il soit plein de force et de sagesse. Que l'on dise un jour, le voyant revenir du combat, celui-ci est plus brave que son père. Puis, se tournant vers Andromaque, éploré, il tente comme il peut de la rassurer. Aucun guerrier, affirme-t-il, ne l'enverra chez Hadès contre sa destinée. Il lui confie Astyanax, caresse une dernière fois son front, et sous son regard brouillé de larmes, part vers son destin. Du haut de l'Olympe, Zeus n'a rien manqué des retrouvailles d'Achille et d'Agamemnon, ni des adieux d'Hector à Andromaque. Le roi des dieux soupire. La partie est donc jouée. Achille, ivre de colère, armé par le dieu des forgerons, soutenu par sa rage, est désormais incontrôlable. Même sa mère, la douce Thétis, ne peut le fléchir. Zeus se tourne vers les autres dieux. Il y a ceux qui sourient et ceux dont les traits se crispent. Apollon et Artémis, les jumeaux, ainsi qu'Aphrodite, sont tourmentés. Contre la colère d'Achille, même les dieux sont impuissants. Héra et Athéna, elles, ne masquent pas leur satisfaction.
Achille leur offrira la victoire et la gloire. Les dieux toisent Zeus. Il leur a interdit de prendre parti, mais il a lui-même fait pencher la balance du destin du côté d'Hector pour plaire à Thétis et punir les Grecs d'avoir offensé Achille. Il a laissé Arès et Athéna prendre part au combat sans les frapper de sa foudre, ainsi qu'il l'avait pourtant promis. Le dieu des dieux a perdu la main. Et là, devant la fureur d'Achille, que fait-il? Rien. Il attend, manifestement dépassé. Alors, d'un seul mouvement, les dieux s'élancent. Héra et Athéna se précipitent vers le camp grec. Poséidon leur emboîte le pas. Ainsi qu'Héphaïstos. Le dieu boiteux n'a aucune raison particulière de prendre le parti des Grecs. Mais il est l'artisan des armes fabuleuses d'Achille. Il n'imagine pas un seul instant que puisse être brisé le chef-d'œuvre de sa vie. Aphrodite, Apollon et Artémis ont déjà gagné la cité troyenne. Leur mère, Leto, la déesse de la nuit, vient à leur secours. Chaque dieu, désobéissant à Zeus, excite les deux camps. Pire, chaque dieu désormais est prêt à affronter son semblable, à le précipiter au royaume des ombres, chez Hadès, gardien des morts. Poséidon ébranle la terre et les crêtes escarpées des montagnes. La secousse est telle que l'on peut croire que le sol va se fendre, laissant apparaître la terrible demeure du royaume des morts, dont les dieux mêmes ont horreur. Toute la plaine retentit du choc effroyable des deux armées. Dans ce tourbillon incandescent, les hommes marchent face aux hommes et les dieux face aux dieux. Achille, lui, se fraye un passage à coups d'épée et de lance. C'est du sang d'Hector qu'il veut s'abreuver. Il massacre tous ceux qui se trouvent sur son passage. Hector, de son côté, tente de ranimer la vaillance des Troyens. Il les adjure de résister. Promet de terrasser Achille, quand bien même serait-il le feu. Sur le chemin de ronde qui court le long des murailles de Troie, le roi Priam prend appui sur le bras de son épouse, Hécube. Paris, à leur côté, semble tétanisé. Ce qu'ils observent, ce n'est plus une bataille, c'est un carnage. Soudain, le vieux Priam pâlit. Achille vient de s'attaquer à un tout jeune homme.
ce jeune homme qui agonise est le plus jeune fils de la reine Hécube et du roi Priam, Polydoros. Celui à qui Priam avait pourtant ordonné de se tenir à l'écart des combats. Le vieux roi est pris de vertige. Hécube pousse un cri terrible et s'effondre. Et lorsque Paris se penche sur sa mère, il l'entend qui murmure entre deux sanglots « La torche, la torche !» La torche, c'est celle que la reine Hécube avait vue en songe lors de la naissance de Paris. Celle que sa fille Cassandre avait prise pour le signe de la fin imminente de Troie. Cassandre, que nul n'avait voulu croire. Hécube désigne Achille, bondissant à la tête des Grecs, massacrant chaque homme qu'il rejoint. Athéna, la nimbée d'un éclat effrayant. Les Troyens, épouvantés, s'efforcent d'esquiver la folie de cet homme. Achille, fils de Thétis. Pour échapper à la mort, les fuyards plongent dans les eaux du Scamandre. Le Scamandre, c'est le grand fleuve qui entoure Troie. Mais rien n'arrête la colère d'Achille. Sans hésiter, il se jette à son tour dans les eaux profondes et abat tous ceux qui se trouvent à sa portée. Le fleuve devient alors rouge du sang des guerriers troyens. Sans trêve ni pitié, Achille fauche, égorge, décapite à tour de bras. Tous payent pour Patrocle, mort. Et voici le Scamandre engorgé par les corps tombés sous les coups du Grec. Alors, se produit une chose que nul n'avait jamais vue, ni mortel, ni dieu. Soudain, un flot trouble se lève autour d'Achille. Le fleuve se met à gonfler. Il se fait menaçant. Le Scamandre a porté bien des cadavres depuis que le monde est monde. Mais jamais il n'a subi pareille fureur. Il s'indigne. Il se révolte devant tant d'inutiles cruautés. Et voilà qu'il se dresse contre Achille, terrible, prêt à l'engloutir. Héra est affolée. Achille vient de disparaître, entraîné par le torrent du fleuve effrayant. La déesse s'appelle Héphaïstos. Il faut sauver Achille d'une mort atroce. Le fleuve Scamandre se met à brûler. C'est une lave en fusion qui se mêle au tumulte. Du plus profond des flots montent alors d'insoutenables hurlements de douleur. Les cris d'Achille sur le point de périr noyé ou les cris du fleuve Scamandre tourmenté à mort.